Alors, on revient avec notre émission sur la sécurité routière en moto, puis même plusieurs affaires en général, parce que Valmont, on commence à faire vraiment quelque chose d'important. Le système Smith, ça, c'est pour donner des trucs, justement. Dans le fond, c'est un système américain qui nous permet, justement, d'être mieux conscient au niveau de la vision à la sécurité routière. Savoir où regarder. Oui. Alors, allons-y. On l'a ici en arrière, oui. Justement, les cinq principes. C'est Alors, ça. Allons-y avec l'explication. C'est ce qu'on fait ou ce que vous faites probablement lorsque vous conduisez. Mais les gens qui vont le mettre le plus en application, c'est des gens qui font de la haute vitesse. OK. Là, je ne parle pas de faire de la haute vitesse avec, avec la Porsche. Là, illégal, avec ouais, c'est ça. Avec un char de police ou une ambulance, okay? Dans le trafic. Mais on devrait tout conduire de cette façon-là. Puis c'est comme ça qu'on... C'est ce qu'on fait, en fait. Là. Okay. On regarde de loin. On va prendre comme exemple, on s'en va sur le boulevard de la Capitale, pas à l'heure de pointe, là, en plein milieu de la journée, ça roule à 100 km. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est qu'on regarde loin en avant. Avec la moto, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est plus haute que la majorité des véhicules. C'est un plus que ça nous donne. On suit à 2 secondes. Mm-hmm. On regarde de loin. Une vue d'ensemble. On voit les 3 voies, c'est plein. Ça roule. C'est pas arrêté, ça s'en va. La 3e, on fixe rien. On fixe pas un véhicule en particulier. On regarde la masse qui s'en va en avant. Ça roule et ça s'en va. Être visible. Nécessairement, si vous avez des vêtements qui sont fluorescents, ça sera toujours une grande sécurité. Vous organisez pour être visible, pas être dans l'angle mort d'un camion, entre autres. Et puis, vous vous gardez une porte de sortie. La porte de sortie, on le dit, c'est quoi? C'est la distance que vous avez entre vous et le premier véhicule qui est en avant de vous dans votre voie. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on fait, en fait. Là. On regarde loin. Ceux qui regardent juste le pare-choc de l'autre en avant, là, c'est pas merveilleux, ça va frapper. Mais les camionneurs le font beaucoup, ça aussi. Peut-être qu'ils, des fois, ils suivent, comme je disais tout à l'heure, de trop près, ils suivent pas à la bonne distance, mais au moins, ils ont une vue d'ensemble, eux autres, parce qu'avec le poids du véhicule, on sait qu'un camion qui est chargé, ça n'arrête pas dans une courte distance. Valmont, j'aurais des petites remarques par rapport à ta règle Smith. Oui. C'est bien, hein? J'ai toujours des questions. Correct. C'est correct, non, elles sont toutes pertinentes, c'est parfait. J'ai le goût de compléter la première en disant « regardez loin puis pas à côté ». Et hein? Pas à côté? Oui, pas à gauche ni à droite. Non, non, parce qu'effectivement, c'est dangereux, ça. Oui, je l'ai dit tantôt, là, c'est la même chose que le conducteur qui se tourne la tête pour parler à son passager. Les fractions de secondes qu'il regarde à droite, là, le passager, il se passe de quoi à la main, ça, c'est un très, très, très grand défaut. Ça. C'est ceux qui ont l'habitude de faire ça, de toujours se tourner la tête en parlant. Là, on se concentre, puis on regarde en avant. C'est ça. Les oreilles, on l'entend, ce que l'autre a à dire. Mauvaise idée de ne pas regarder à l'avant. Ça, c'est primordial. C'est de base, de base, de base. L'information est là. Vous vous tournez la tête, vous venez de perdre une demi-seconde. Une demi-seconde, 100 km à l'heure, 88 pieds. C'est du stock. Ça va vite. J'en reviens au deuxième aussi. Quand tu parles de vue d'ensemble, on parle aussi beaucoup dans ce point-là de vision périphérique. Dans le sens que c'est beau de faire de la vision d'ensemble, mais on regarde aussi fraction de seconde pour voir s'il n'y aurait pas des choses qui nous arriveraient dans notre champ d'activité. Là. Très important aussi. Là. De tout, pour revenir à ça, avec la vision périphérique, on sait que plus tu roules vite, plus ton champ de vision rapetisse. Hein? Okay. Plus tu roules lentement. À lentement, on peut aller à 140, 150 rayons d'action. Hein? On ne se rend jamais à 180. Mettons à 140, mais si on roule beaucoup plus vite, le champ de vision rapetisse au fur et à mesure que la vitesse augmente. Okay. C'est un bon point, c'est ça. De ne pas se tourner la tête, comme tu dis. Les seules fois qu'on se tourne la tête, parce qu'à un moment donné, faut se la tourner la tête lorsqu'on vérifie nos angles morts, que ce soit en moto, mais sur une route qui est achalandée, là, 3 voies, là, 3 voies, on va parler de 3 voies, 2 voies, bon, 3 voies, c'est important de regarder à l'avant tout le temps, puis de ne pas changer de voie pour aller. Il y en a qui changent de voie, vous savez, à l'heure de pointe le matin, on envoie. Il y a un petit trou, c'est à gauche, un petit trou, c'est à droite, puis c'est à gauche, c'est à droite, là. On relaxe, on écoute la musique. Pourquoi pas relaxer? C'est pas plus difficile de relaxer en conduisant que se stresser. Mm. Ça, c'est évident. Le troisième, je vais te faire glisser sur quelque chose qu'on n'a pas parlé encore depuis le début de la série, c'est que souvent,
on roule longtemps. OK? Puis des fois, on pogne le fixe. Ouais. Ça, y a-t-il des trucs, justement, pour nous aider à, justement, rester alerte? Quand on commence à s'endormir, en fait, ce que tu veux dire, là, des fois, hein, après dîner, là, me semble que ce n'est pas nécessairement à minuit que les accidents, que les gens peuvent s'endormir. D'inattention. En tout cas, ça. Les souvenirs que j'en ai, à un moment donné, moi, me semble que je cognerais des clous. Là. Ouais. Après un gros repas, peut-être. Là. Ce sera toujours de s'arrêter, de prendre une sortie, puis aller prendre un petit break, prendre une marche. Puis... Mais si on s'endort, je pense que si vous êtes capable de dormir un petit 15-20 minutes, ce sera ça. Le fait de s'endormir, là, ouais. C'est juste le sommeil, je pense, qui peut réparer ça. Je me souviens qu'il y avait un monsieur d'un certain âge dans le temps qui m'avait dit, il était camionneur, lui, puis il m'avait dit qu'il faisait des longues routes qu'il y avait, là, puis lui, son truc, c'est qu'il se donnait des claques en bon québécois, des claques sur la gueule là, pour se réveiller. Je ne suis pas sûr, là, mais d'après moi, tu réveilles quelques secondes, mais je ne suis pas sûr que ça te permet de rouler une heure de plus. Je l'avais trouvé bien bonne. Je l'ai pas astiné. Je devais connaître ça, là, parce que il y avait plusieurs douzaines de camions. Je ne sais pas s'il disait ça à ses chauffeurs là, de se donner des claques, mais c'était pas. Je l'avais trouvé bonne. Parce que souvent, un truc qu'on m'avait déjà donné, c'est de toujours avoir le regard qui bouge. Quand on regarde pour essayer de... La fatigue, c'est sournois. Hein? Puis dans le dormitoire, hein? Puis tu es amorti. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes puis que tu essayes de... Comme je dis, peut-être de dormir un petit peu. Un quart d'heure, une demi-heure, pas d'un restaurant, mais d'une cour de commerce, là, ce sera ça. Je pense pas. Parce que quand ça te pogne, ça, là, cette fatigue-là, là, c'est risqué. Je pense pas qu'il y ait de potions, de trucs magiques là, pour faire ça. Sinon, de... C'est très dangereux. De dormir un soir, il y en a plein. Des camionneurs qui s'endorment la nuit, mais eux autres, ils font tellement d'heures à un moment donné. Là, puis là, ça va être pire que pire, là, parce que là, ils ont de l'ouvrage à faire. Oui, c'est ça. Fait qu'espérons qu'au moins, ils vont avoir l'avantage d'avoir moins de trafic. Tu sais? Au moins, ils ont moins d'auto dans les jambes, là, parce que là, c'est... Un petit dernier élément, quand tu parles d'être visible, surtout pour le motocycliste, est-ce que tu veux que... le motocycliste rajoute des bandes réfléchissantes qui se mettent un dossard, ce genre de choses-là? Oui, il y en a qui en ont de plus en plus qui ont un petit dossard, c'est, ou des genres d'attelage, là, un peu comme des bretelles. Là. Ouais. Je sais bien que moi, j'ai mon fils a une moto, puis j'ai donné ça il y a quelques années. Là. Il apporte. Ça, c'est visible. Les fluos, là, ça, c'est vraiment... Surtout pour le soir, j'imagine? Surtout pour le soir, mais même le jour. Ouais. Ça se voit très, très loin. Ah oui, ça se voit très loin. Ça, c'est bon. Motocycliste qui porte ça, c'est fameux. Autant comme avoir un casque qui est blanc, si possible, plutôt que noir. T'sais, la majorité sont noirs, mais c'est pas ce qui est le plus visible. Okay. Le casque là, blanc, c'est plus visible. Mais les fluos, les barres fluos, là, c'est très bien ça. Quand il y en a un là, qui est dans le trafic, là, dans notre vue d'ensemble, là, que je vous parlais tout à l'heure, bien, là, on le voit bien. C'est un gros plus. Un gros plus. Ça, c'est une sécurité à bon marché, là. Okay. Pour 15$, là, tu... En tout cas, c'est des très bons trucs. Je trouve ça bien intéressant. Valmont, on va prendre les petits panneaux qui sont à ta gauche. Je pense que c'est notre prochaine conversation. C'est comme... il y a une règle à suivre pour les motocyclistes. Oui. Quand on arrive en avant d'une voie ferrée. C'est ça. Alors, vous avez ce panneau-là qui... Ordinairement, avant d'arriver à la voie ferrée, on voit ce panneau-là. On voit ce panneau-là qui nous indique l'angle de la voie ferrée. Parfait. Il nous montre. Okay. À ce moment-là, il faut se positionner pour prendre la voie ferrée à 90 degrés. Okay. Ah oui? Okay. Votre route s'en vient. Il faut toujours prendre ça. La ligne qu'il y a là, c'est la ligne pour la route. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que vous l'appreniez. Une voie ferrée, le panneau vous indique l'angle. Par contre, la plupart du temps, je vais vous dire qu'on se promène dans des secteurs qu'on a déjà passés. Hein? Ouais. Ceux qui font de la moto, là, je pense qu'à 150 kilos à l'entour de Québec, on les connaît toutes, les routes, les voies ferrées, puis on sait comment caler. Mais si vous allez à l'extérieur, regardez l'angle de la voie ferrée et... tournez à l'intérieur de votre voie, positionnez-vous pour la traversée au 90, parce que normalement, quand vous allez être rendu de l'autre côté, il faut que vous vous ramenez dans votre voie, parce que être travers par rapport à la route, nécessairement, vous arrivez de l'autre côté, il
il faut que vous repreniez votre voie. Fait 90, on n'oublie pas ça. Puis s'il pleut, n'oubliez pas que l'empattement d'une moto, c'est la roue d'en arrière sur un côté, puis la roue d'en avant sur l'autre. Okay. C'est pas mal comme ça. Fait que si vous la prenez en diagonale, lorsqu'il pleut, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Okay. Que j'ai déjà eue. Ah oui, allez-y ouais. Donc. Je ne dirais pas comment ça a fini, là. Mais... Non, mais... C'est ça. On aime ça, les exemples. Ouais. Obligé de l'essayer, fiez-vous sur ce que je vous dis. Non. Mais là, ce que vous nous dites là, avec ce panneau-là, ça veut dire que si on le prenait comme tout droit, ça se peut que la roue pogne un petit peu dans la voie ferrée ou c'est... Oui, c'est ça? Mais c'est surtout que c'est glissant. C'est glissant, OK. C'est du fer. C'est très glissant, une voie ferrée. Okay. Mouillée, là, c'est comme ça. Ça part en coup de fusil. Ah oui? En tout cas, ce fois-là, c'est le même que c'est arrivé. Oui, la voie ferrée, c'est extrêmement dangereux. Une voie ferrée qu'on a ici dans le secteur Deschambault, celle qu'il y a lorsqu'on arrive à Deschambault, est dans la courbe. Ouais. Et puis, est mal placée, puis est en diagonale. L'été, là, les cyclistes qui passent là, la voie ferrée, il y a des trous, ça de large, elle est en diagonale. Puis ceux qui n'apprennent pas, il y a des cyclistes qui ont tombé là. Pendant des années, ça se peut pas. S'ils n'apprennent pas en 90 avec un pneu de vélo, là, tu chutes à cette place-là. Il y a eu beaucoup d'accidents. On n'oublie jamais ça. C'est vraiment spécial. C'est une bonne habitude d'apprendre. On n'attend pas qu'il pleuve pour l'apprendre autrement. Non, tu apprends toujours en 90. J'ai le goût de vous parler, avant qu'on aille à l'autre panneau, j'ai le goût de vous poser une question concernant aussi le sable. Parce que souvent, pour les motocyclistes, le sable, au début de la saison, il y en a beaucoup sur le côté de la chaussée. Ça peut être problématique aussi. Hein? C'est un danger. L'automne, c'est les feuilles des arbres. Au printemps, c'est le sable. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes en solo, seul avec votre moto, le corridor numéro 2, qui est le corridor central, ça sera toujours le meilleur endroit. À gauche, vous courez après le trouble avec des inclinaisons du côté de ceux qui s'en viennent dans le sens contraire. Ouais. Et des courbes à droite, vous allez ramasser du sable dans les routes sinueuses. C'est ça. Le centre, c'est encore toujours... L'idéal. C'est à peu près comme la vie, là. Les extrêmes, là, ça brasse toujours un peu trop. On va essayer de se tenir au centre. Il y a 1.5 puis une flèche. Alors... Oui, on voit ça souvent, ce panneau-là. C'est parce que vous êtes sur une route. Ça peut être sur l'autoroute. Ça peut être une route à circulation dans les deux sens, mais qui a trois voies. Là, à un moment donné, il y a une indication que la voie disparaît de droite. Vous pouvez avoir le même panneau de l'autre côté. C'est la voie de gauche qui va disparaître, mais ordinairement, on le retrouve sur l'autoroute. Okay. Et à côté, c'est écrit 1.5. Okay. Dans 1,5 km, ici, la voie de droite va disparaître. Vous vous emmenez, vous êtes en moto, seul ou en formation. Aussitôt que vous voyez, et je dis ça pour les motocyclistes, c'est la même chose pour tout le monde, les autos, les camions, qui devraient faire. 1,5 km, la voie disparaît. Je fais quoi? Je mets mon clignotant. Puis je change tout de suite. Plus rapidement possible. Il y a un possible. Trou, là, plus rapidement possible. Mm. Ne pas attendre. Là, vous allez me dire probablement, il y en a une gang qui vont rester là puis qui vont attendre à la dernière minute. Oui, de toutes les sortes. Des automobilistes puis des camionneurs qui sont supposés être professionnels à la dernière minute. Aussitôt que le panneau 1.5, vous vous rangez immédiatement. Si tout le monde faisait ça, la vitesse va diminuer quand vous allez arriver dans le bouchon, parce qu'ils ont peut-être baissé ça à 80, mais déjà, tout le monde est rangé. Ça va? Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, ça roule bien, ça y va. Quand est-ce que ça va faire un bouchon de circulation? Quand les autres qui roulaient dans la voie de droite ici, là, ils attendent la dernière minute là, pour se tasser. Bien, veut pas, à un moment donné, ils arrivent côte à côte avec un véhicule. Ça fait quoi? Ils sont obligés de baisser à 10 km/h. Le bouchon vient de commencer. Parce qu'il y en a un autre qui suit aussi. Il y en a un autre qui suit. Oui. C'est pas trop respecté. Si la police était là pour essayer de peut-être faire de la prévention ou du crayon, ça aiderait peut-être. Mais vous, en tant que conducteur professionnel, panneau 1.5, la voie disparaît, c'est tout de suite que je me tasse puis je m'en vais là. Ça ne donne rien de rester à droite. J'ai le goût de mentionner que ceux qui sont à gauche, il y a une question de civisme aussi, de donner une chance à ceux qui sont à droite de venir se placer dans la bonne voie. Là, c'est ça qu'il faut faire, comme tu dis. Tu continues à garder tes 2 secondes,
malheureusement, tu vas faire un cadeau à tous ceux qui ont passé ici à côté, là, qui ont dépassé tout le monde par la droite là, pour aller s'insérer dans le film. En tout cas, tu as bien fait ça, puis tu les as laissé un trou, puis on les récompense. Les compétents vont régler une partie du problème. Effectivement. Le 1.5 clignotant tout de suite. Mais j'ai l'impression que pour une moto, c'est plus difficile de rentrer dans le rang parce que justement, la moto est plus petite qu'une auto et puis ça impose moins le respect que si c'était une grosse auto ou un camion. Est-ce que je me trompe en disant ça? Bien, oui et non. Avec le camion, tu ne te trompes pas, c'est la loi du plus fort. Oui, c'est ça. Fait que, hein, le camion, lui, t'es mieux d'y en laisser un trou parce qu'il va se tasser. C'est ça. Mais c'est certain que la moto, ça demande plus d'attention, malgré que la majorité des gens, tout de même, quand ils te voient, il y en a qui ne comprennent pas. Mais faut, de toute façon, le meilleur conseil que je peux donner à un motocycliste, c'est fais pas confiance à personne. Pense pas qu'il va. Pense pas qu'il est bon. Pense pas qu'il va te donner une chance. Non, non. Masse au pire, mais manœuvre. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes habitudes, des bonnes techniques de conduite. C'est que ça devient naturel. Il reste juste les petits cas problèmes à régler après. Quand ta technique est bonne, ça va mieux. J'ai entendu souvent conduire pour les autres. Oui, c'est ça. Ben, en fait, la conduite préventive, c'est ça. Alors, Valmont, maintenant, on va aller dans des cas un petit peu plus précis, dont celui-là qu'on voit ici présentement, le corridor de sécurité, ce qu'on dit en anglais, le move-over. Alors, explique-nous un petit peu, c'est quoi la manœuvre à faire. OK. Ça fait quelques années déjà que c'est en force, le move-over. Le move-over, c'est pour donner de la sécurité à ceux qui travaillent sur la route ou sur l'autoroute, c'est-à-dire des véhicules qui, normalement, ont des feux intermittents, rouges, ou jaune ou des flèches. En fait, c'est fait pour les policiers, les ambulanciers, les remorques, les pompiers, tout véhicule qui est arrêté le long de la route. Oui, c'est ça que j'allais dire. Dans le fond, c'est aussitôt qu'on voit quelqu'un arrêté dans la voie de droite. On l'a régulièrement, c'est ça. C'est des fois ça, même, ça peut être un auto de police qui a intercepté un véhicule, puis il y a une flèche jaune dessus. Bon, ça joue un petit peu, là. Des fois, ils sont complètement sur l'accotement. Des fois, ils empiètent un petit peu sur la voie. Mais s'ils empiètent complètement sur la voie, puis que la voie est bloquée, là, on ne parle plus de la même chose. Mais aussitôt qu'il y a un véhicule qui travaille alentour, j'ai dit ambulance, et ministère des Transports, la remorque, la police, les pompiers, il se passe quelque chose. Lorsqu'on s'en vient sur l'autoroute, on essaie si possible de changer de voie. On met le clignotant et on s'insère. Okay. Ça va pour les autos. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Il faut essayer de le faire le plus possible. Oui. C'est ça. La question est très bonne. Ouais. Je vais revenir à mes motos. Parfait. Là, les automobilistes auront compris que le principe est le même. Je parle de moto. Et puis là, on va parler d'un groupe de motos, OK? Oui, OK. En zigzag. Je vais y revenir plus tard sur la formation zigzag, mais là, je vais en parler pour celle-là. Vous voyez de loin le guide ou le leader. De loin, on voit qu'il y a un véhicule avec des feux rotatifs qui travaille ou peu importe. Faut y faire le corridor de sécurité. Et le corridor de sécurité, c'est quoi? C'est de vous empêcher de le frôler. On dégage un peu. Je m'en viens avec ma formation moto. Je vois qu'il se passe quelque chose sur le bord de la route. S'il n'y a pas beaucoup de circulation, puis je suis avec mon groupe, ma petite formation, 5 motos, OK? Parce qu'on va revenir là-dessus plus tard. OK. Là, je suis peut-être capable de me ranger de l'autre côté avec ma petite formation. Mais ce n'est pas obligatoire. Étant donné qu'ils sont juste sur le bord, ils ne bloquent pas beaucoup, moi, je donne la position finlandienne. Okay. Finlandienne, c'est la main comme ça. OK? Un doigt, ça ne se voit pas très bien. Finlandienne. Et puis quand on reprend la formation zigzag, ça va être le point fermé. Je donne une formation finlandienne et je dégage vers la ligne médiane. C'est pas obligatoire d'aller de l'autre côté. Il faut le laisser de l'espace et en même temps, on diminue un petit peu sa vitesse. Okay. Je vous donne un exemple pour rester dans un ordre de grandeur. De l'autre côté, ça roule à 100. Ça, on s'en vient 100, 110, on sait que c'est ça que ça roule.
mettons, ici, la vitesse permise, c'est encore 100. Je baisse à 90. J'insiste pour vous dire qu'il y a juste une certaine démarcation entre la vitesse de l'autre côté puis ici. Baissez pas ça à 70 km/h pour bien faire. Parce que là, ceux qui s'en viennent à 110 de l'autre bord, là, la différence de vitesse entre les deux, vous risquez de vous faire rentrer dedans. Full pin, comme on dit. OK. File indienne, vous diminuez un petit peu votre vitesse, vous dégagez, puis vous n'êtes pas obligé d'aller de l'autre côté, vous passez, vous contournez. C'est certain que ça exagère, puis ça vient trop loin, mais à un moment donné, la route va être fermée. S'il prend trop d'espace, là, ordinairement, ça se passe comme ça. Ouais, hein? Sur l'accotement, puis file indienne, on passe à côté, rendu de l'autre côté, vous redonnez le signal, le guide donne le signal, formation zigzag, tout le monde reprend sa position. Le move over, c'est ça. À moins qu'il y ait des panneaux de travaux, là, à moins qu'il y ait des travaux. Donc là, ça va être indiqué qu'on ajuste notre vitesse selon les travaux qu'il y a. Oui, mais là, ça, c'est une autre affaire. Ouais, lorsque ça arrive dans les travaux, ouais. Encore là, on va en parler, tu donnes avec ta formation de moto, tu donnes de la file indienne, puis tu passes en file indienne. Dans les travaux, là, il n'y a plus d'accotement. Ouais, c'est un mur de béton, ici, puis ça, c'est courir après le trouble. C'est ça. File indienne, là, c'est, ça sera l'idéal. Parce que je vais passer tout à l'heure ce chapitre-là. Parfait. La formation zigzag, là, c'est très complexe, puis il est loin d'avoir rien que des bons côtés à ça. OK. Donc, on change de côté pour le panneau, c'est ça? Il y en a un autre de l'autre côté? Oui. Si on tourne. OK. On a un autre tableau. Ah oui, ça, c'est durant les... on parlait de souvent le voie à Baie-Saint-Paul, là, quand on ouais, s'en va sur la voie. Là. Les trois voies qu'il y a à Baie-Saint-Paul, là, je veux juste soulever un petit point, parce que là, Baie-Saint-Paul, ça donne que c'est une place que les motos y vont souvent. Oui, hein? En tout cas, une couple de fois par été, là. On va toujours investir dans les hôtels de Charlevoix. Oui. Bon, Saint-Anne-de-Beaupré, parce que tout le monde connaît le secteur, certains, on va emmener tout le monde sur les lieux. On traverse Saint-Anne-de-Beaupré, on monte la grande côte de la Miche, hein? Ouais. Et puis en haut, il y a un petit restaurant à droite. Là, après ça, il y a encore une grande côte. C'est cette côte-là que je vous parle. Il y a trois voies. Les camions sont obligés de rouler à droite. Vous vous emmenez, vous, avec votre moto ou avec votre formation moto. Si le camion est rendu assez haut dans la côte, n'oubliez pas une chose. Il y a une chose qu'il faut que vous reteniez. C'est qu'au milieu de la côte, à peu près, là, vous allez avoir une ligne continue ici. Puis là, le camion, il roule à 20 km à l'heure, hein, il est chargé. Puis vous allez arriver avec votre formation moto, vous allez être pogné en arrière de ça, puis vous n'avez plus le droit de traverser. Là, ne traversez pas. Vous traversez cette ligne continue-là, vous êtes le guide, le leader, vous avez un accident, on joue avec le code criminel, là. La négligence criminelle peut jouer là-dedans. Fait que, retenez une chose, lorsque vous arrivez dans ce secteur-là, si un camion en avant puis il ne roule pas, dites-vous qu'à un moment donné, là, vous ne serez plus capable de le dépasser. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont fait une ligne continue ici. Parce qu'ici, de l'autre côté, il y a juste une voie. Puis ça fait des kilomètres et des kilomètres que ça descend. OK? Et puis, ils ont fait un pointillé pour donner une chance aux automobilistes de dépasser, parce que les camions, là, des fois, ils descendent pas plus vite qu'ils montent. Ils sont sur les briques tout le long. Ouais, fait qu'ils vont pas vite. Fait que pour donner une chance de doubler, pour éviter qu'il y ait une collision frontale, c'est-à-dire quelqu'un qui dépasse un camion ici, puis l'autre qui change de voie ici, qui arrive face à face. Ouais, ça, ouais, c'est ouais, le même que le boulevard Saint-Anne était fait en 1960. C'était la pire route qu'il y avait dans la province, là. Des commerces de chaque côté, des entrées partout, à gauche, à droite. Il y avait trois voies, puis la voie du centre, tu avais le droit de doubler. Des face-à-face sur le boulevard Saint-Anne, là. Il y en a eu beaucoup. Il y a des fois. Ah, ça a été terrible, tout le monde qui est mort là-dessus. Fait qu'oubliez pas ça. Vous allez faire votre tour en moto, là. Fait que ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous voyez que le camion, il peut être à hauteur de la ligne continue, vous connaissez le coin. Changez de voie, puis commencez à monter ici. Ils vont vous voir monter. Si vous êtes déjà dans la voie, ils vont voir venir. Ils ne dépasseront pas. Alors que si vous n'êtes pas dans cette voie-là, à un moment donné, il y en a un qui dépasse là, il y en a un qui dépasse là. Fait que c'est une place qui est particulièrement dangereuse. Il faut porter attention à ça. Puis moi, je veux vous éviter de rester collé en moto avec une formation en arrière du camion qui roule à 20 km l'heure. Parce que... D'habitude, d'une petite gang, là, il y en a toujours un qui a la patience plus courte que l'autre. C'est là. Ça. Puis c'est ça. Hein, les autres vont suivre. Mm-hmm. Si vous êtes le leader, vous emmenez la gang d'autre bord. C'est pas tout le monde, d'habitude, dans votre formation qui va aimer ça, que vous commencez à passer sur des doubles lignes puis des lignes continues. Fait que c'est ça. Là, j'ai peut-être un petit conseil à donner à tout le monde. Les lignes pleines, il faut,
faut les respecter. Ah, toutes les lignes. Parce que... Une ligne continue, tu franchis en principe jamais ça. Là. Elle n'est pas là pour rien. Les lignes, c'est là pour indiquer un danger. Fait que cette place-là, c'est la particularité qu'il y a. Il y en a une coupe comme ça en montant à Baie-Saint-Paul, parce que c'est la place des montagnes, Charlevoix. Effectivement.